Les musées de la Citadelle sont des musées de France, c'est-à-dire qu'ils sont agréés par l'État et qu'ils ont des droits et des devoirs envers leurs collections. Les musées de la Citadelle sont dotés de collections variées, depuis l'art moderne au travers des salles consacrées au sculpteur Volti et à la donation Henri Goetz et Christine Boumeister, jusqu'aux artefacts historiques racontant le riche passé de la rade de Villefranche depuis l'Antiquité. Nous vous invitons à découvrir les coulisses des musées de la Citadelle et le travail actuellement réalisé par les équipes. Alors, le chantier des collections, c'est une opération assez exceptionnelle pour un musée. Il s'agit de traiter en masse l'ensemble des collections, des fonds dont nous avons la responsabilité. Ce que nous allons faire, c'est justement inventorier, récolter, regarder l'état sanitaire des collections et on va vraiment passer au crible chaque œuvre. Donc c'est une opération longue, c'est une opération fastidieuse, mais c'est très intéressant parce que ça permet de voir l'état des collections et de mieux connaître encore les collections des musées. Ici, nous avons beaucoup de fonds qui viennent de différentes donations et dépôts. Et donc, c'est un gros chantier à mettre en œuvre. C'est vraiment, ça porte bien son nom, le chantier des collections. Et justement, nous profitons de la fermeture des musées actuellement pour mettre en œuvre ce chantier des collections. Alors oui, les musées sont vides parce que justement, à l'occasion de cette fermeture, on a déplacé des œuvres. On les a, certaines, fait partir en restauration. Et puis d'autres, on les a tout simplement mises en réserve ou mises dans des salles pour se « reposer », entre guillemets, puisque justement, il y avait des œuvres qui avaient besoin d'être un peu observées et de regarder comment justement elles avaient évolué depuis toutes ces années. Et donc, on a un peu libéré les salles de certaines de ces œuvres pour pouvoir aussi mieux se rendre compte des espaces et essayer de réfléchir à un nouveau projet d'aménagement. On décroche les œuvres, on les installe sur des tables et puis on va les étudier, on va regarder comment elles vont. On va aussi réfléchir à des nouveaux supports, à des nouveaux encadrements. On va aussi imaginer comment certaines peuvent être rangées en réserve et puis on va imaginer des futures rotations d'œuvres. Donc c'est vrai que là, l'exemple du musée Goetz-Boumeister est un bon exemple puisqu'on voit comment en fait on travaille au quotidien quand un musée est fermé et quand on a besoin d'aller au plus près des œuvres. Il s'agit concrètement de localiser les objets inscrits sur le registre d'inventaire du musée, d'en vérifier la description, la dimension, la technique, la date, le marquage, la documentation et l'état de conservation. Le récollement assure en quelque sorte la traçabilité des collections patrimoniales. On est en train de mettre à jour les fiches œuvres. Donc on utilise les premières fiches œuvres qui ont été faites initialement à l'ouverture du musée. Donc qui sont ces fiches-là, qui sont très vintage, mais qui sont une mine d'informations précieuses, puisqu'on a vraiment la fiche d'identité. C'est comme la carte d'identité d'une œuvre, avec donc son numéro d'inventaire, le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date quand elle a été réalisée, ses dimensions, si elle est signée, si elle est datée sur l'œuvre, le mode d'acquisition, c'est-à-dire que si on l'a eu dans nos collections et dans notre fonds par donation, par dépôt, et puis quelques informations sur son état et si elle a été restaurée. Donc c'est très intéressant d'avoir ces fiches œuvres et nous, notre travail, enfin le travail de Luciana, c'est justement de mettre à jour ces fiches œuvres avec un nouveau modèle et pour l'instant, donc elle regarde, elle vérifie, elle compare en fait les informations. Et puis s'il y a des choses qui semblent un peu étranges, eh ben on en parle, on en discute. Et justement, on essaye de voir comment mettre à jour le plus proche du réel de l'œuvre ces fiches d'identité. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça sera de les passer dans le logiciel Micromusée, le logiciel donc, que nous avons pour faire les fiches numériques. Alors Catherine, elle est la responsable de l'inventaire sur Micromusée. Donc Micromusée, c'est un logiciel qui nous permet d'avoir notre inventaire des collections de façon numérique. Et donc Catherine est chargée, à travers le récollement, de pouvoir justement créer ces fiches numériques. Donc ce sont des fiches d'identité numérique de chaque œuvre. On a vu déjà qu'il y avait des fiches papier et on les double numériquement sur ce logiciel Micromusée
ce qui nous permet d'avoir une sauvegarde et de pouvoir consulter numériquement nos collections, d'avoir un chiffrage de ces collections et une sécurité aussi au niveau de l'archivage des informations que nous avons. Alors là, avec Christine, on a déballé une œuvre qui était prêtée précédemment dans un autre musée, qui vient de retourner dans nos salles. Et en fait, on déballe donc cette œuvre et on va faire son constat d'état retour. Donc en fait, on va étudier l'état sanitaire de l'œuvre après qu'elle ait été prêtée pendant un certain temps. En fait, on a regardé, on a observé avec le constat d'état précédemment fait. Donc c'est-à-dire quand on a prêté l'œuvre, on avait déjà regarder l'état de l'œuvre et puis inscrit toutes les choses qu'il fallait inscrire sur son état, c'est-à-dire les lacunes, les endroits où elle était abîmée, tout ce qui pouvait être fragile ou à surveiller sur cette œuvre. Et là, en fait, on vérifie que l'œuvre n'a pas bougé depuis qu'elle est revenue. Donc, en fait, on va vérifier à l'aide de plusieurs photographies qui ont été prises en zoom et on va en fait regarder les différents endroits qui avaient été identifiés comme étant fragilisés et on vient voir s'il ne manque pas de la matière, s'il n'y a pas eu de nouveaux frottements, s'il n'y a pas eu de nouvelles lacunes. Et on inscrit sur ce constat avec la date du jour, ce qui nous permet d'avoir comme une photographie en fait, de l'œuvre à l'instant T, au moment où on l'a étudiée. Et si, par exemple, on doit la reprêter dans un an, on saura que voilà, le constat avait été fait et qu'elle était dans cet état-là. Et puis, on refait un constat pour vérifier son état sanitaire. Salle des musées, en fait, il faut procéder à une veille régulière de l'état des collections, de l'état sanitaire des espaces où sont exposées les collections. On va régulièrement et plutôt hebdomadairement vérifier les thermohygromètres, donc ce sont des petits appareils qui nous permettent de regarder le climat, tant d'un point de vue humidité que vraiment température. Et donc on va noter ce climat sur un cahier et le conserver pour regarder s'il y a des variations de température et d'hygrométrie, donc qui est le taux d'humidité d'une pièce. Le taux idéal d'humidité d'une pièce pour les collections que nous avons, c'est entre 45% d'humidité et 65% à peu près. Donc c'est une bonne fourchette pour savoir que globalement les salles vont bien. Donc ça c'est une des parties de la veille sanitaire des collections. L'autre partie c'est de surveiller tout ce qui est infestation d'insectes. Les infestations d'insectes, comme on a installé dans cette salle, on installe donc des pièges pour des insectes rampants, des pièges pour des insectes volants. Et ça nous permet justement d'essayer un peu voilà, de regarder quel type d'insectes vivent dans les salles, parce qu'en fait, on ne peut jamais, jamais, jamais éviter qu'il y ait quand même des petits insectes qui se baladent dans nos salles de musée. Donc, ça nous permet de regarder quels sont les types d'insectes. Il y en a vraiment des variétés très différentes. Et puis, de justement lutter contre l'infestation. Alors là, c'est un petit espace, mais c'est l'atelier où Christine répare justement les encadrements et où sont justement un peu vérifiés les cadres. Donc là, par exemple, elle est en train de remettre un fond de cadre pour pouvoir justement accueillir une future œuvre. En l'occurrence, dans ce cadre, on peut y mettre une lithographie ou une gravure. Voilà, donc c'est un petit espace restreint, mais en effet, c'est bien pratique pour avoir ce genre de manipulation-là quand on veut ouvrir une œuvre, la décadrer, regarder son état. Bah là, ce qu'on est en train de faire, c'est trier les affiches et le stock de la boutique. Ça permet d'avoir une photographie à l'instant T de ce qu'on a dans nos stocks et en réserve. Et de pouvoir noter ça dans nos inventaires de stock. C'est une mise à jour qui est utile et qu'on doit faire chaque mois. Puisque bien que les musées soient fermés, on ouvre la boutique sur rendez-vous et ça permet aussi de continuer à diffuser les images et les œuvres d'art que nous avons dans nos collections.